Ah, c'est bien ça. Ça marche, Céline. On ne te voit plus, toi, mais on voit l'écran. Ouais, Enfin, et on entend un bruit, on on entend un voit bruit de le. clavier, je ne sais pas qui tape. Et d'oiseaux aussi. On time. On a réussi à l'afficher en temps et en heure. Alors, par contre, je vous préviens, je ne l'enlève pas parce que je ne suis pas sûre d'être capable de le refaire correctement. Donc, je le laisse comme ça. Parfait. Bonjour à tous. On va laisser encore quelques toutes petites secondes pour laisser le temps aux participants de se connecter et on démarre. Okay, on vient d'atteindre le chiffre symbolique des 160 connectés. Je vous propose de démarrer cette session et remercier tous les participants qui sont là. D'abord,
les orateurs du SGPI, du ministère de la Transition écologique, de l'ANRU, qui sont là, chacun se présentera. Moi-même, bonjour, je suis Olivier Leneau, de la Banque des Territoires, au sein de la direction de l'investissement et l'opérateur pour le compte de l'État de cette nouvelle action démonstrateur de la ville durable. On a préparé cette séquence pour vous présenter l'action, essayer surtout de vous donner un maximum de temps pour poser vos questions très pratico-pratiques, puisqu'on a un calendrier qui a démarré mardi dernier avec la publication. Et avant de laisser la parole à Céline Lins du SGPI, deux règles d'utilisation durant cette conférence. D'abord, essayez s'il vous plaît, en bas à droite de l'écran, vous avez un bouton Q et R pour questions et réponses. Utilisez s'il vous plaît ce canal plutôt que celui de la conversation générale pour poser toutes vos questions. On va faire en sorte d'y répondre au maximum. Et puis, Céline Lins a la main sur la console de contrôle pour vous donner la parole. Donc, à chaque fois que vous aurez une question, merci de vous présenter et de poser votre question de manière synthétique pour que tout le monde en profite. Voilà, Céline, à toi. Très bien, bonjour à tous. Je voulais vous informer au préalable que dans le fil de conversation, donc dans le chat, on vous a mis en tout premier... toute première intervention, le lien qui vous permettra de télécharger le support de présentation qui va défiler là pendant nos échanges, mais n'hésitez pas voilà, à vous rendre sur cette partie-là, donc voler le chat pour pouvoir télécharger le support. Céline Lins, pardon, je me présente, je suis directrice de programme au Secrétariat Général pour l'Investissement. J'ai en charge le programme Ville et Innovation Territoriale. J'ai suivi divers programmes liés à l'aménagement et la construction dans les PIA 1, 2 et 3, et notamment Ville de demain, Ville durable et solidaire, les territoires d'innovation, UTIGA. Et j'ai la charge de copiloter avec le ministère de la Transition écologique la stratégie Ville durable, nous allons vous parler. Et dont le programme démonstrateur de la ville durable est une des premières mesures que nous publions. Alors, je ne vais pas vous détailler, on va essayer d'organiser la séquence en deux temps avec une première présentation d'une quinzaine de minutes sur l'objectif de cet appel à projet, des éléments de calendrier de cadrage, puis un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes environ, pour que vous ayez le temps de nous interroger sur les éléments qui vous semblent insuffisamment précis ou quelques éléments complémentaires à ajouter sur ce que vous avez pu voir dans le dossier de candidature et dans le cahier des charges. Puis une deuxième partie avec une présentation un peu plus pratique des modalités de sélection, de l'organisation ensuite du suivi des porteurs de projets et du processus de remise des candidatures. Voilà, alors. L'action démonstrateur de la ville durable. Donc, ce que je vous expliquais précédemment, alors quelqu'un me dit qu'il ne voit pas le lien, il est dans le chat, je me permets, dans la partie conversée, pas dans les questions-réponses, dans la partie conversée, c'est le tout premier lien qui est mis à disposition, tout en haut. Donc, l'action démonstrateur de la ville durable, on me dit qu'il ne voit pas le lien. Est-ce que vous les voyez ouais. D'accord, donc il est bien dans le chat. Hein. Il faut que vous remontiez tout en haut, vous le verrez apparaître. Donc, l'action démonstrateur de la ville durable, donc c'est un programme qui s'inscrit dans une stratégie d'accélération. Donc, les stratégies d'accélération sont en fait des stratégies globales d'intervention qui proposent une diversité d'outils du PIA, donc d'outils, des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour sélectionner des porteurs de projets qui proposent des solutions innovantes à tout niveau, à tout stade de l'innovation sur différents secteurs de la ville durable. Donc on a déjà présenté en détail ce qu'est la stratégie d'accélération ville durable, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, si ce n'est que les outils du PIA ont principalement vocation par le biais de l'innovation, de participer en fait à la relance économique du pays, puisqu'on est inscrit, une partie du programme d'investissement d'avenir est inscrite dans le plan de relance, et cette stratégie plus spécifiquement a vocation à accompagner la transformation des villes et en stimulant l'innovation, notamment pour améliorer la qualité de vie dans les espaces urbains et proposer des solutions qui feront l'avenir de nos villes.
L'enjeu sur ce programme démonstrateur de la ville durable, c'est de créer une communauté en fait, de territoires représentatifs de la diversité des espaces urbains et des territoires français, et d'avoir un réseau de démonstrateurs qui puissent proposer des solutions de transformation des quartiers et envisager la réplicabilité de ces solutions. Dans le cadre de démarches partenariales, mais je pense qu'on reviendra dessus de manière plus précise dans les slides suivantes, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau de démonstrateurs le plus diversifié possible, où on pourra exercer au maximum un accompagnement de l'État vers les porteurs de projets pour y déployer des innovations massives qui auront vocation à transformer les secteurs. Donc l'échelle, on y reviendra, c'est ce qu'on cible dans ces programmes, c'est la transformation d'îlots, de quartiers ou groupes d'îlots. Et le budget global de ce programme est de 305 millions d'euros. On vous détaillera un petit peu les cibles par projet. Donc le programme est opéré par la Banque des Territoires, Olivier, que vous avez vu en introduction, par l'ANRU aussi. Nicolas Grivel et Kim Cusano sont présents pour vous présenter la manière dont on va organiser ce programme et accompagner les territoires dans les QPV qui puissent candidater et mettre en œuvre les projets. Je passe à la slide suivante et je passe la main à Jean-Marie Kémenière qui a participé à la construction de ce programme avec nous. Je te laisse te présenter, Jean-Marie. Oui, bonjour. Donc, Jean-Marie Kémenière, chef du Bureau des opérations d'aménagement, la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature du ministère de la Transition écologique. Donc, en fait, pour revenir un petit peu sur ce qu'on entend par la notion de démonstrateur dans ce programme, donc on considérera qu'un démonstrateur, c'est deux choses, deux piliers. Une opération d'aménagement qui a vocation à faire la démonstration et une stratégie de réplication de l'innovation. C'est un peu la particularité de ce programme-là et nous l'avons construit sur la base des retours d'expérience des démarches de nature similaires par le passé. L'idée, c'est de mettre l'accent sur la réplication de l'innovation de telle sorte que voilà, on accélère la transformation des espaces urbains. Donc, l'ambition générale du démonstrateur, c'est répondre à un des quatre défis énumérés ci-après, à savoir la sobriété, donc sobriété conçue sous sobriété dans la consommation de ressources naturelles, l'eau par exemple, sobriété dans la consommation des sols, ça fait écho à l'objectif de zéro artificialisation nette qui est porté dans le projet de loi climat résilience en ce moment, sobriété dans la consommation d'énergie ou dans la mobilisation du carbone. Dans le second défi, ça pourrait être la résilience, résilience face aux risques de toute nature, climat, santé, mais également mouvements sociaux. Un axe fort aussi serait l'inclusion sociale, notamment. Et le dernier défi, c'est celui de la productivité urbaine, comment construire des espaces urbains qui produisent de la richesse, mais pas seulement, également du patrimoine culturel et quelque chose de plus immatériel. Donc, l'idée, c'est qu'un démonstrateur s'attaque en fait à l'un de ces défis en termes d'ambition. En termes d'objectifs opérationnels, c'est de concrétiser le projet, un projet de transformation d'un îlot, d'un groupe d'îlots ou d'un quartier, et que ce démonstrateur en fait constitue un ensemble de démonstrations opérationnelles, de technologies, de process qui ont un fort impact. On va rechercher des hauts niveaux de performance en termes environnemental et social pour la transition. Et l'idée, c'est aussi que le démonstrateur permette en fait, de créer les conditions de réplication des composantes innovantes du projet. Alors, en termes de caractéristiques plus concrètes, le projet de transformation de l'îlot, du groupe d'îlot, en fait, il s'insère dans une opération d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. Donc, c'est une référence législative, mais en fait, qui explique un petit peu ce que c'est que l'aménagement et ce qu'on entend par opération d'aménagement. Et je vous renvoie à la lecture de cet article-là. Le champ est relativement large. En termes de caractéristiques, et ce qui est important pour nous, c'est que le projet soit porté par un établissement public de coopération intercommunale ou une commune qui soit déjà liée à un aménageur public ou privé, voilà, ou bien par un établissement public d'aménagement. Et ensuite, en termes de caractéristiques, on attend autour du démonstrateur la constitution d'un écosystème d'acteurs qui soit au service de l'innovation, donc qui puisse voilà, proposer des innovations et qui déjà prépare le terrain de sa réplication. Céline, je te laisse continuer. Oui,
Les projets que l'on va chercher à accompagner, vous avez un quartier, un îlot que vous souhaitez transformer, rénover. L'idée, c'est, avec une opération d'aménagement identifiée, comme l'a précisé Jean-Marie, l'idée, c'est d'identifier les projets les plus prometteurs en termes d'ambition. On souhaite transformer ce quartier et aborder en fait, l'ensemble des thématiques de la ville durable. Se poser la question de l'imbrication de l'ensemble de ces thématiques, même s'il est complexe d'appréhender cette imbrication. L'idée, c'est d'accompagner les projets qui chercheront justement à se poser toutes ces questions-là. Si je m'engage dans un projet vaste de rénovation et de performance énergétique, mais aussi je veux retravailler la mobilité, je veux aussi retravailler le volet service, l'accès à l'emploi à proximité, enfin la gestion des risques sanitaires, des risques climatiques aussi. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le porteur qui s'engagera dans un haut niveau de performance en termes de transformation du quartier. Le haut niveau de performance, on l'entend par vraiment cibler et chercher à traiter l'ensemble des sujets qui doivent être traités quand on raisonne développement durable, et aller chercher dans les solutions qui seront proposées des aspects innovants. Alors évidemment, on ne cherchera pas à accompagner des projets qui cibleront exclusivement, enfin, on n'accompagnera pas exclusivement les projets qui cibleraient toutes les thématiques. L'idée, c'est d'être sûr que toutes les questions ont été posées, et on vous verrez par la suite que l'idée, c'est d'accompagner aussi dans une période de maturation cette réflexion et de ne pas sélectionner dès l'amont des projets qui auraient déjà traité toutes ces questions-là. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de vous accompagner dans cette démarche, mais d'identifier très rapidement les projets les plus ambitieux sur cette démarche. Évidemment, on va chercher à accompagner les projets qui vont proposer de dépasser les bonnes pratiques, les normes classiques, proposer des solutions innovantes, quelques-unes. Alors, on ne parle pas que d'innovation technologique, évidemment, on parle aussi d'innovation organisationnelle, juridique, sociale. C'est vraiment le package et la stratégie globale qui va être regardée. Alors, on rentrera un peu plus dans le détail en fin de séquence sur la question du surcoût, évidemment, pour les habitués. Alors, il y a peut-être pour les non-initiés du PIA, le PIA vient compenser le surcoût lié à l'innovation dans les projets. Donc, ce sera quelque chose qui devra être regardé, mais on le regardera encore une fois en période de maturation. Vous comprendrez par la suite ce qu'on entend par là. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, on est avec cette communauté, cet éventail de territoires, des échantillons, si je peux me permettre le terme, très représentatif de la diversité des territoires en France et des problématiques qui peuvent se présenter dans les territoires pour qu'on puisse ensuite essaimer et répliquer les innovations que l'on aura accompagnées. Vous avez dû voir dans le cahier des charges, qui est un sujet sur, et Jean-Marie l'a déjà précisé, sur la réplicabilité. L'idée, c'est, encore une fois, en amont, si les candidats sont en mesure de pouvoir le présenter, se dire, quand je propose l'accompagnement du PIA dans une innovation que je veux déployer sur mon territoire, est-ce que cette innovation, elle pourra être répliquée sur des territoires similaires, et quelles seraient les conditions de cette réplicabilité? Il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser la question de, est-ce que c'est un modèle économique, est-ce qu'il y a un modèle économique à la clé qui peut être intéressant, l'objectif étant d'éviter de ne financer que des premières qui resteront des premières et qu'on ne pourra pas essaimer par la suite. Alors, encore une fois, un accompagnement sera mis en place pour cette question de la réplicabilité. Je m'arrête là pour cette slide. Je te passe la main, Olivier, pour présenter l'organisation du processus de sélection un peu plus en détail. Voilà, sachant qu'on pourra y revenir aussi par la suite. Vous allez le voir, on a trois vagues de candidatures, dont une première vague arrive à échéance le 10 septembre prochain et une suivante le 5 novembre. La troisième sera prévue dans le courant du premier semestre 2022. La date précise n'a pas encore été arrêtée. Ce qui va se passer au moment de la sélection des projets, ça va s'appesantir sur des projets définis, sur la clarté d'une stratégie, d'un niveau d'ambition territoriale, tels que les grands défis que Jean-Marie Kellner vous a présentés ont été énoncés tout à l'heure, et surtout, dès le début, des conditions de réalisation clairement démontrées avec un portage opérationnel, une maîtrise foncière, et puis des clés de financement nous permettant de comprendre la trajectoire qui sera la vôtre. Qui peut déposer? Je vois que c'est une question qui a été posée ici
On a pu aussi, évidemment, très tôt dans le cahier des charges, le rappeler, portage de la candidature par un EPCI, par une commune liée à un aménageur public ou privé, ou un établissement public d'aménagement. On aura juste après mon petit topo, un exposé plus précis de la part du directeur général de l'ANRU, Nicolas Grivel, qui aura un exposé, une focale plus forte sur les quartiers ANRU. Ce qui va se passer après la sélection de cette phase appelle à manifestation d'intérêt, c'est que les lauréats vont rentrer dans une phase d'incubation par environ et un plafond de 500 000 euros de crédit d'ingénierie. L'incubation de projet va vous conduire à développer un portefeuille d'actions, à détailler ces actions qui concourent à ce qui est listé ici, je ne vais pas le lire, vous permettre en tout cas de renforcer par rapport à une candidature initiale qui sera déposée en septembre ou en novembre, qualifier l'innovation, interroger au maximum toutes les performances environnementales, sociales, économiques, construire, proposer une stratégie de réplication, solidifier l'ensemble de vos partenaires publics, privés, académiques, citoyens aussi, on en parle dans le cahier des charges, définir et proposer une méthode d'évaluation et identifier très tôt pour qu'on soit capable de vous accompagner dans cette phase d'incubation tous ces verrous juridiques et techniques. Cette phase d'incubation, un financement plafonné à 500 000 euros, va vous conduire donc à présenter devant un comité d'engagement les actions, et c'est là-dessus qu'on pourra venir vous financer jusqu'à 10 millions d'euros. Je retranche les 500 000 euros qui auront servi en phase d'incubation, on va dire 9 500 000 euros. Voilà pour cette partie. Le calendrier après est le même sur chacune des trois phases. C'est votre réponse, 10 septembre ou 5 novembre ou premier semestre 2022. Une phase d'instruction et d'annonce des lauréats. Cette annonce des lauréats sera proposée au Premier ministre, comme toutes les actions du PIA. Une phase d'incubation qui pourra durer jusqu'à 36 mois maximum. Mais si votre panel et votre portefeuille d'action est prêt à passer devant un comité d'engagement avant les 36 mois, vous en aurez la possibilité. Et après, sur environ 8 ans, tout le délai de réalisation des projets qui vont nous permettre après d'assembler, constituer tout ce réseau des démonstrateurs. Voilà l'enchaînement général. Je laisse la parole au directeur général de l'ANRU. Oui, merci Olivier, Nicolas Grivel, directeur général de l'ANRU. Merci à toutes et tous. Quelques mots pour vous parler de la focale quartier et politique de la ville et en renouvellement urbain que Céline Lins évoquait tout à l'heure, puisque effectivement l'ANRU est partenaire et sous-opérateur de ce programme avec la Banque des territoires, comme on peut l'être et qu'on a pu être soit opérateur, soit sous-opérateur sur les générations précédentes de programmes d'investissement d'avenir, PIA 2, PIA 3, sur Ville durable et solidaire ou sur le programme ANRU+. Alors effectivement, les projets qui porteront sur des quartiers prioritaires de la politique de la ville en renouvellement urbain seront éligibles, ce qui paraît naturel. Ça serait dommage qu'on les considère comme une logique d'extraterritorialité par rapport au territoire national. Mais plus que ça, ils sont très attendus sur cet appel à projet et cette démarche un compartiment, une focale particulière sur les QPV et une volonté, Céline disait tout à l'heure, la volonté du SGPI et du gouvernement d'avoir une représentativité des territoires, une volonté de retrouver une part significative de l'ensemble de la démarche dans les QPV en renouvellement urbain. Alors, c'est faire de l'innovation urbaine dans les quartiers politiques de la ville en renouvellement urbain, c'est à la fois plus compliqué et plus simple que sur d'autres territoires. Plus compliqué parce que c'est des quartiers qui présentent un certain nombre de difficultés, c'est évident, et qu'on essaye justement de ramener dans une attractivité, dans une visibilité, dans des images plus positives dans les territoires concernés. Ils sont nombreux partout en France. Et puis, plus compliqué parce que c'est vrai que quand on potentiellement plus compliqué, en tout cas dans l'approche qu'on pourrait en avoir, lorsqu'on parle de démarches innovantes, démonstratrices en termes urbains, ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir de mettre en avant les quartiers prioritaires d'une ville, qui ne sont pas forcément les endroits les plus attractifs, visibles, etc. Mais c'est à la fois plus simple et je crois plus stimulant, enfin très stimulant en tout cas, et ce n'est pas pour opposer les territoires, il y aura des projets partout et c'est très très bien, mais c'est stimulant parce qu'il y a des enjeux qui sont forts, il y a des populations qui ont des besoins importants, il y a l'idée que les quartiers peuvent être aussi à la pointe de l'innovation et de l'exemplarité donnée à l'échelle d'un territoire et aussi à l'échelle nationale.
Et puis, c'est aussi quelque part plus simple puisqu'on est très en articulation avec un programme très important qui est le nouveau programme national de renouvellement urbain sur lequel on a des financements conséquents et des projets qu'on soutient en France entière. Et donc, on aura un arrimage très fort avec un surplus, un complément d'innovation très positif qu'on peut apporter sur ces projets. On l'a fait sur le PIA 2, on l'a fait sur le PIA 3. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'ambition et dans la qualité de l'innovation sur ce programme et de s'inscrire pleinement dans les grands axes qui vous sont présentés depuis tout à l'heure et qui le seront encore dans quelques minutes. Donc, c'est dans cette logique-là que les candidatures qui porteront sur les QPV en renouvellement urbain seront regardées, travaillées, instruites en lien direct avec les équipes de l'ANRU, en lien avec le comité d'engagement et les partenaires de l'ANRU et en lien avec la gouvernance globale du programme sur une articulation qu'on a trouvée sans difficulté dans le cadre du PIA 3. Et donc on sera dans des logiques très très proches pour que les projets soient très articulés avec le projet de renouvellement urbain et répondent aux grandes orientations qui ont été posées dans le cadre qui vous est présenté aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un accompagnement dédié par l'ANRU de ces projets et de ces acteurs territoriaux dans un savoir-faire qu'on a déjà déployé sur d'autres programmes et avec une méthode qu'on a déjà déployée, qui d'ailleurs, je crois, a été utile en termes de retour d'expérience, y compris pour monter ce programme des démonstrateurs de la ville durable. Donc, de manière générale, n'hésitez pas à penser à vos QPV, à projet de renouvellement urbain pour penser innovation. Ces démarches de ville durable, vous le savez, s'inscrivent aussi dans une démarche plus globale de promotion de la ville durable à la française. Et on sait que les sujets urbains à l'échelle internationale sont aussi marqués par des sujets de pauvreté urbaine. Et donc, c'est savoir faire la ville durable dans des quartiers populaires, c'est aussi très intéressant et très stimulant, comme je le disais. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse avoir des échanges le plus en amont possible pour partager les intuitions et les envies que vous pouvez avoir pour qu'on puisse ensemble sentir si elles peuvent s'inscrire dans cette dynamique et vous aider dans cette logique. Voilà pour ce qui nous concerne. Et donc, à la fois en s'inscrivant dans la démarche globale et à la fois en faisant le lien avec les premiers programmes d'innovation qu'on pilote depuis plusieurs années, l'idée, c'est d'intégrer les projets qui s'y inscriront dans une logique, dans une communauté globale d'innovation urbaine, de toute la dimension urbaine d'innovation que Céline disait tout à l'heure, à la fois technologique, mais aussi sociale, environnementale, d'organisationnel pour faire des projets urbains de grande qualité. Voilà, de manière générale, sur la philosophie, et les équipes seront à votre disposition pour vous accompagner. Merci Nicolas. Je repasse la parole à Jean-Marie Pieménère pour la présentation de l'action. Et puis on va essayer de répondre en creux à quelques questions qu'on voit apparaître, sinon on les traitera juste après. Oui, donc du coup, peut-être pour revenir succinctement sur comment est-ce qu'on constitue ce réseau de démonstrateurs territoriaux dans leur diversité. Les objectifs poursuivis, en fait, c'est donc, comme l'a dit Céline, cela crée une communauté de projets innovants. Donc, première démarche à faire pour nous, donc, c'est la mise en réseau dans l'idée de capitaliser et valoriser l'ensemble des démarches des lauréats, de tirer parti aussi du retour d'expérience. Alors, c'est important côté ministère parce qu'en fait, c'est aussi le retour d'expérience terrain qui nous permet de travailler sur des adaptations de cadres juridiques et de la mobilisation d'outils qui peuvent être dérogatoires au droit. Je pense au permis d'innover si on est en PPA ou en ORT, en opération de revitalisation des territoires, des choses comme ça. Et on a aussi un enjeu un peu particulier qui est de soutenir la visibilité des savoir-faire français à l'international et dans un contexte un peu particulier l'année prochaine où s'ouvre la présidence française de l'Union européenne dans laquelle en fait, on aura quelques événements qui nous permettront aussi de valoriser en fait, ce qu'on fait sur la ville durable aussi à l'échelle française. En termes de modalités opérationnelles, donc, je le disais, une mise en réseau des porteurs de projets qui sera construite à l'initiative des ministères en charge de la cohésion des territoires et de la transition écologique et aussi avec des services de l'État en région. Donc, ce soutien financier du PIA 4, en particulier en phase d'incubation, mais aussi pour la réalisation des actions. Ce qu'on prévoit d'ores et déjà, c'est la possibilité aux lauréats de recourir pour l'incubation à des marchés cadres, de telle sorte de questionner, interroger en fait, leur projet au regard de l'innovation et de leur performance environnementale et sociale. Bien sûr, des groupes de travail ad hoc sur des sujets ponctuels qui pourraient être des freins juridiques, des freins techniques au développement de certaines innovations. Et enfin, bien sûr, des actions de communication. Et là, on s'appuiera grandement sur l'association française France Ville Durable. Merci Jean-Marie. Alors, on va arriver à la partie questions-réponses. Je vous propose de lever la main au fur et à mesure, mais je vais essayer déjà de répondre à quelques questions qu'on a vu apparaître dans le fil
pour vous laisser le temps de commencer à lever la main pour préparer vos questions. Qui peut déposer les candidatures? Donc ça, vous verrez dans le cahier des charges. Hein. On demande, donc c'est des consortiums qui pourront évoluer au stade de la candidature. Il faut que le consortium soit porté par une collectivité locale, hein, la collectivité compétente sur le territoire identifié comme l'objet du projet de transformation, un établissement public d'aménagement, y compris un EPIC ayant la compétence EPA. Hein. J'ai vu cette question apparaître. Qu'est-ce qu'un quartier? Donc ça, je laisserai Jean-Marie peut-être répondre sur ce volet-là, qu'est-ce qu'on entend par quartier, mais ce qu'on veut retrouver dans les consortiums qui vont candidater. Alors encore une fois, pas au stade de la candidature. Au stade de la candidature, présentez-nous l'état d'avancement de votre projet avec les partenaires que vous avez déjà à ce stade et les partenaires que vous aimeriez ajouter dans ce groupement pour construire le projet. L'idée, c'est d'avoir une démarche de co-construction. Ce qu'on veut retrouver à terme, à l'issue de la période de maturation, c'est évidemment les collectivités compétentes pour traiter du sujet, et ça ne veut pas dire forcément exclusivement le bloc communal, hein, parce qu'il y a différentes échelles sur les innovations qui vont être déployées. L'objectif, c'est de concentrer le tir des innovations sur un quartier pour en voir l'effet transformant et ne pas le disséminer sur un territoire trop vaste. Mais il se peut qu'il y ait des innovations qui aient un impact sur ce quartier-là, mais bien au-delà, sur des territoires voisins, voire des communes voisines. On n'accompagnera pas exclusivement des innovations qui seront focalisées sur un quartier. L'idée, c'est d'avoir la bonne échelle, de définir la bonne échelle du projet et de l'impact que l'on veut donner à ce projet. Et donc, ça pourra aller au-delà de l'échelle du quartier. Et encore une fois, l'idée, c'est de concentrer le tir sur un quartier, un secteur, un groupe d'îlots. Jean-Marie, tu compléteras encore une fois, pour que l'on voit cet effet transformant et qu'on puisse voir la mise en musique, en fait, de l'ensemble des innovations et des questionnements sur l'ensemble des thématiques qui doivent être traitées quand on essaye de s'engager vers une démarche de développement durable. Est-ce que les quatre défis de la ville durable doivent être traités? En tout cas, ils doivent être questionnés. Il faut absolument que les quatre soient questionnés et qu'on sache pourquoi on n'en traite pas un quand il n'est pas traité. Je crois que j'ai à peu près déjà balayé les premières questions. Les collègues, n'hésitez pas si vous en avez, sinon je vois des mains se lever. Oui, peut-être Céline, pour revenir sur la notion de quartier, en fait. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est quelque chose qui porte sur l'ensemble d'une ville. Par exemple, on n'est pas dans le programme Ville de demain qui a donné lieu au programme Écocité. Si on parle au niveau technique, on va être plutôt sur une zone de la ville qui a une unité géographique et une unité fonctionnelle, ce qui peut se traduire aussi en termes de projet dans la notion d'une programmation urbaine ou d'un plan guide. Céline, on a aussi une question, oui, sur le lien entre l'AMI, démonstrateur de la ville durable, et le PEPR. D'accord. Alors le PEPR, c'est une mesure qui est proposée dans la stratégie ville durable, qui est un outil qui s'adresse aux acteurs de la recherche. Le PEPR est un programme équipement prioritaire de recherche. Il est donc, il a vocation à structurer une communauté de chercheurs, accompagner la structuration d'une communauté de chercheurs sur une thématique précise. Là, en l'occurrence, le sujet de la ville durable. Donc, l'idée, c'est que les organismes de recherche et les universités puissent proposer des travaux de recherche assez poussés sur des besoins précis identifiés en matière de ville durable. Donc, il y aura un lien précis pour tout vous dire, parce qu'on souhaite pouvoir… c'est pas toujours le cas dans d'autres stratégies d'accélération dans lesquels il y a des programmes démonstrateurs du même type que celui qu'on vous propose aujourd'hui et des PEPR, mais là c'est le cas. On essaie de créer un lien, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait quand même que le pilote de ce PEPR puisse suivre les travaux menés dans le cadre des démonstrateurs. Alors l'échelle n'est pas encore définie et les modalités ne sont pas encore définies en toute transparence, mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même un lien, parce que évidemment il faut que la société civile puisse accéder au labo pour que les chercheurs aient moyen d'adapter leurs travaux ou de proposer des solutions aux besoins concrets sur le terrain. Et il faut aussi que, encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, les chercheurs puissent accéder à ces équipes projets pour proposer des solutions innovantes, comprendre quelles sont les problématiques et mener des travaux de recherche en lien avec ces problématiques.
Voilà, alors il y a Philippe Moutet qui a levé la main, je crois. Je vous l'avais abaissé, je ne sais pas si vous aviez, je vous ai ouvert le micro, si vous aviez une question. Je pense qu'on a répondu à la question. Alors, je vois Monsieur Ortolan. Normalement, vous avez la parole. Oui, allez-y. Très bien. Donc, j'avais une question, prenant en compte les éléments que vous avez présentés. Est-ce qu'à votre avis, un projet sur un quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville qui consisterait à construire à la fois une école pour l'ensemble du quartier, alors que c'est un quartier sur lequel il reste 4 écoles, mais anciennes et avec une population scolaire en baisse jusqu'ici, et un gymnase, sachant que l'actuelle structure date des années 70, est-ce qu'un projet qui aurait cette base-là de travail pourrait être éligible dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt ? Alors, il est difficile de répondre en l'état. En fait, ça dépend. C'est ce que je vous disais, c'est l'ambition globale du projet. Alors, Nicolas Grivel, je ne sais pas si tu es encore là, ou Kim pourront compléter. Ça va dépendre de l'ambition globale du projet, en fait, parce que on peut envisager d'accompagner un nombre extrêmement diversifié de projets, d'actions, ce qu'on appellera nous des actions, donc l'ensemble des projets à accompagner avec via le PIA. Il faut qu'ils soient innovants, ces projets, pour qu'on puisse les accompagner. Alors, dans une approche globale, il faut que le projet de transformation soit innovant, mais ça va dépendre de l'ambition globale, en fait. Donc, pris isolément, c'est difficile de vous répondre. C'est-à-dire qu'il faut, il nous faut toute l'histoire, la grande image, si je puis dire. Pour vous répondre, et c'est en fait dans la manière que vous aurez dans le dossier de candidature de traduire cette ambition globale. L'idée, c'est vraiment de voir apparaître, écoutez, aujourd'hui dans la réflexion, le territoire, il est dans cet état-là, je m'excuse, je vais le dire de manière un peu directe et cash, mais c'est peut-être le plus simple, le territoire aujourd'hui, il est dans cet état-là, on veut le transformer pour telle et telle raison, et on veut qu'à terme, à l'issue de cette transformation, il ressemble à ça, ça, ça et ça. Que ces questions, que telle question, telle autre et telle autre question ait été posée. Aujourd'hui, notre équipe est composée de tel et tel acteur et de tel et tel partenaire. Il nous en manque un bout, on le sait. On pense qu'il nous faut nous associer des compétences de tel ordre, des partenaires privés, des académiques, des chercheurs, des associations, la participation citoyenne. On ne l'a pas encore aujourd'hui, mais c'est l'ambition finale du projet. C'est de cette manière qu'on veut voir l'ambition du projet, et c'est ça qu'on va juger dans le dossier de consultation. Je ne sais pas si les collègues souhaitent compléter, mais j'espère être précise en vous apportant cette réponse-là. Mais Céline, pour compléter, je n'ai pas eu le sentiment que le quartier en question était en projet de renouvellement urbain, accompagné par l'ANRU, même si c'est peut-être un QPV hors renouvellement urbain. Mais de manière générale, ça répond à ce que Céline disait là, c'est-à-dire que, comme on le fait nous dans les projets de renouvellement urbain, on va vouloir traiter tout ce qui fait la qualité de vie et l'attractivité d'un quartier. Hein, donc, ça peut passer par les équipements publics, ça ne passe pas forcément que par les équipements publics. Hein, donc ça suppose. D'accord. Mais le secteur, monsieur, a fait l'objet déjà de renouvellement urbain, c'est en Charente. Hein. Il a fait l'objet déjà d'un travail de renouvellement urbain. Et moi, j'interviens là en tant que conseiller pédagogique à l'inspection académique de Charente pour suivre et aider si possible. L'ambition, je la vois, la participation citoyenne, elle est déjà présente dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé dans les premières phases de réaménagement du quartier. Donc, je vois des possibilités en lien avec ce que vous avez dit tous les deux. Mais bon, à voir, je ne serai pas le porteur de projet. Voilà. Merci pour vos réponses, en tout cas. Merci. Je crois qu'il y a une autre main levée. En attendant que je puisse ouvrir... ça me demande une petite manipulation. Je voyais, on nous demande combien de porteurs de projets on envisage de sélectionner. Alors aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise là-dessus. Ce qu'on vous a présenté, c'est l'enveloppe globale, hein, il y a 305 millions d'euros. On dit qu'on peut accompagner jusqu'à 10 millions d'euros chacun des lauréats. On verra la qualité des dossiers, le nombre de dossiers. Il y a 3 vagues, voire plus si besoin. Donc on s'est dit à ce stade qu'il n'était peut-être pas judicieux de préciser un nombre de lauréats.
Parce que voilà, ça reste, on sera de l'ordre de plus de 20, lauréats sur ce programme, c'est sûr. Jusqu'à combien, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Je crois que Christine Grèze avait une question. Je pense vous avoir ouvert le micro. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais savoir si vous pouviez préciser le niveau de maturité idéal pour vous du projet d'aménagement pour qu'il soit éligible. Parce qu'on comprend qu'il faut qu'il soit suffisamment avancé pour que voilà, il y ait maîtrise foncière et que finalement vous ayez l'assurance que ça va déboucher sur un impact réel. S'il est aussi un peu trop avancé, ça peut être difficile de mettre en œuvre les innovations. Donc voilà, c'était pour avoir un peu de précision sur ce que vous attendiez et ce qui vous paraissait idéal comme stade d'avancement pour être éligible. Alors, il n'y a pas de stade idéal, Jean-Marie, tu me corrigeras si je dis bêtises, il n'y a pas de stade idéal, on cherche un peu, en fait, on cherche de tout, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'on a cette période de maturation de 36 mois aussi derrière hein, qui se déroule, c'est que des projets très matures, en fait, ce qu'on va juger encore une fois, c'est l'ambition. Donc, un projet très mature, il en manque encore un petit bout, mais il serait prêt à partir dans 6 mois. Pourquoi pas, on va le regarder. Un projet avec une très belle ambition, moins de maturité, ben on le regardera aussi, mais on identifiera combien de temps il faut pour pouvoir faire mûrir le projet. Ce qui va dépasser les 36 mois va être quand même compliqué à retenir, parce qu'on a aussi des programmes qui s'inscrivent dans une durée de 10 ans dans les programmes du PIA, et après on sera dans des durées trop compliquées à gérer, en réalité. Donc, peut-être Jean-Marie, toi, tu as une autre réponse plus précise, mais on cherche pas une maturité en particulier, on cherche une ambition, une idée de projet très innovante, intéressante, transformante, et l'équipe qui va avec, ou en tout cas la volonté de construire une équipe qui correspondra à l'ambition. En résumé, on veut un projet dont on est sûr qu'il se réalise, on est sûr qu'il fasse une démonstration, et si le niveau de maturité est très avancé, en fait, l'enjeu de la phase d'incubation, ça va être de challenger en fait l'ambition de performance environnementale et sociale du projet, et de voir avec le porteur de projet comment en fait on insère l'innovation et on définit qu'est-ce qui fait innovation. Si quand même. Oui, et l'objectif, c'est aussi d'adapter un peu le process d'accompagnement pendant cette phase de maturation en fonction des besoins spécifiques de chacun des porteurs de projet. Il y a des territoires qui sont moins équipés en ingénierie, qui ont besoin d'une aide assez importante sur ce volet-là, et on mobilisera ce qu'il faut pour les mettre à niveau, et d'autres qui ont moins ce besoin-là et qu'on cherchera à challenger un peu plus, pousser au déploiement de quelques innovations complémentaires. Ça va être vraiment un large éventail de ce qui peut se faire sur le territoire national. Oui. Merci pour les précisions. Merci de couper les micros si vous ne parlez plus. J'ai ouvert en fait à toutes les personnes qui ont levé la main, mais il faut que vous coupiez vos micros. Je vous donne la parole dans la foulée. Alors, je vois Danaï Genet. Danaï Genet, bonjour. Bonjour. Donc je suis dans une entreprise privée qui a monté donc de promotion immobilière, qui a monté son service d'aménagement et son service d'ingénierie développement durable. Donc on a un peu tout internalisé. Pourquoi cette démarche ? Parce qu'on sent aussi que les collectivités aujourd'hui sont soit démunies en termes d'ingénierie, soit il y a des problèmes de financement. Donc on se substitue un peu à l'intérêt général, en travaillant quand même dans l'objectif de l'intérêt général. Ma question, elle est à plusieurs... il y a plusieurs aspects. C'est à la fois, j'ai l'exemple d'une opération, on est à Amiens, qui est un territoire assez difficile. On est à côté de territoires en rue, de QPV, pardon. Et on a récupéré une friche qui présente des anciens bâtiments historique, inscrit au titre des monuments historiques, et on est en train de faire de la desserte énergétique performante. On est en train de mener des actions un peu innovantes en termes de, on va dire, permis de construire, etc., parce qu'on fait des appels à projets sans avoir de destination. Donc voilà, on est en train de mettre tous les acteurs on va dire étatique autour de nous, donc que ce soit la CDC, que ce soit la région de France, etc., etc., et bien sûr la ville.
Donc déjà, la question est de savoir, est-ce qu'en tant qu'entité privée, où on pousse assez loin l'ingénierie, notamment en termes de développement durable, est-ce qu'on est, enfin, on peut se positionner? Et ensuite, ma question était du fait qu'on n'est pas, enfin, on jouxte des quartiers prioritaires, mais on n'est pas dans le périmètre de ces quartiers-là. Est-ce qu'on peut quand même répondre à cet appel à projet? Alors oui, vous pouvez répondre à cet appel à projet puisqu'on cible tous les territoires. Donc, s'ils sont dans le cadre du NPNRU, l'ANRU regardera le dossier de manière plus précise. S'ils sont à côté, je pense qu'il y aura quand même une mise en lien entre les équipes de la Banque des Territoires et de l'ANRU. En fait, l'instruction va se faire de manière collégiale. Donc, sur la typologie de territoire, il n'y a pas de limitation en termes de candidature. Après, par contre, sur la question de qui porte la candidature, il y a quand même un sujet. C'est-à-dire que là, quand on raisonne ville durable, on ne parle pas qu'aménagement et construction. Il y a d'autres sujets qu'on peut évoquer, le sanitaire, les services, etc. Donc, on a considéré que pour ce programme, il fallait que le chef de file ou le porteur du projet soit la collectivité, parce qu'il y a un certain engagement politique à mener sur ce projet de transformation. Et donc, il faut qu'il y ait l'élan de l'élu pour porter et accompagner et fédérer, je dirais, l'ensemble du projet. Peut-être qu'il y aura des projets où on nous proposera quelque chose vraiment lié à du service, service public, du sanitaire et de la santé, et peu d'aménagement, je ne sais rien. Et ben, ça ne peut pas être un aménageur privé qui porte la candidature. Voilà, on veut après, évidemment, que la collectivité vienne avec son aménageur identifié le plus tôt possible, ou qu'elle nous identifie, qu'elle puisse nous préciser que déjà les partenariats sont quasi faits. Alors, on est évidemment conscient de la contrainte des marchés publics, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, il faut qu'on soit sûr que le projet se fasse. Donc, c'est vraiment la paire de partenaires qui est importante et qu'on va chercher. Mais en chef de file, la collectivité. J'espère être pas trop longue dans mes réponses. Jean-Marie, tu avais peut-être des compléments. Ouais, là, il est 15h15. Il va falloir. Le timekeeper. Mais simplement, ouais, désolé, je fais le timekeeper. Mais il y avait quand même toute une série de questions qui me semblent importantes sur à la fois l'articulation avec d'autres programmes nationaux. Alors, j'ai vu passer Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Territoire d'Industrie, Éco-Quartier. Innovation Outre-mer. Et plus généralement, la place pour les territoires plus ruraux. Voilà. Donc, ça me semblait important de traiter ce sujet avant de passer à la suite, qui répondra également à une partie des questions posées, je le dis. Alors, je réponds, Jean-Marie, je ne sais pas si tu veux répondre sur le... En fait, on a un vrai travail d'identification aussi des projets, et on travaille en partenariat avec nos collègues en charge de ces programmes, hein, que ce soit Petite Ville de Demain, Le Cœur de Ville, Territoire d'Industrie, etc. L'idée, c'est quand même que pour les projets qui se manifesteraient en amont, on ira et qui seront identifiés comme déjà engagés dans ces démarches. On se mettra en lien parce que la NCT notamment participe à la gouvernance de ce programme et donc participe avec nous à l'identification des projets pour voir un peu ce qu'il y a de prometteur sur le terrain. Donc tout ça sera mis en lien. Il n'y a pas d'incompatibilité à être déjà engagé dans une démarche et à envisager de candidater sur le programme démonstrateur de la ville durable. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, il y avait d'autres mains levées, mais je ne sais pas si on a le temps. Dominique Renaudet. On continuera dans la deuxième vague. On essaye, et je vois Nicolas Chung qui répond par écrit à beaucoup des questions dans les questions-réponses. On va toutes évidemment les copier. Je vous expliquerai à la fin de l'exposé comment on va traiter toutes ces questions et où est-ce qu'elles vont être traitées. Alors, la slide suivante. Donc, c'est le processus de sélection. Donc, on est sur... on rentrera... pas vraiment dans le détail, mais l'idée est de... Voilà, donc on a trois vagues de sélection, on vous l'a dit. L'idée, c'est que un porteur de projet qui aura déposé dans une vague pourra envisager
Alors, dès lors qu'il aura connaissance de ne pas avoir été retenu sur cette première vague, pourra envisager de déposer sur une vague suivante. Hein. C'est pas, on n'est pas évincé une fois pour toutes de ces programmes, parce que les projets peuvent monter aussi en maturité. Il faut compter à peu près, alors en fonction du nombre de dossiers de candidature, en réalité, aujourd'hui, on n'a pas de calendrier plus précis que ça à vous présenter, mais il faut compter environ 3 mois pour l'analyse des projets et l'annonce des lauréats entre le moment du dépôt de la première de la vague, enfin des dossiers sur chacune des vagues et le moment de l'annonce. Et il faut compter une fois les lauréats sélectionnés par le comité de pilotage, donc l'organe de gouvernance qui sera en charge de la gestion de ce programme et de la sélection de ce programme. Il faudra compter environ 6 mois maximum, je dirais, pour établir la convention de financement qui permettra notamment de dégager les crédits d'ingénierie. Alors, ça peut être plus court, hein, ça dépendra des négos, mais il faut quand même prévoir un certain laps de temps. Ça, c'est un retour d'expérience de nos programmes antérieurs hein, qui nous dit que c'est plutôt tablé sur 6 mois pour engager la phase d'incubation. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur les slides suivantes. Je passe la parole à Olivier pour la suite. Voilà, on rentre un petit peu plus précisément dans la mécanique de réponse à cet appel d'offres. Vous trouverez en fin de présentation les différents liens. J'ai vu que c'était une des questions de téléchargement du cahier des charges, mais aussi du cadre type de réponse. Vous le voyez, on a un calendrier et vous avez un calendrier qui est relativement serré pour nous apporter des projets relativement structurés avec une esquisse de groupement, la qualification de certaines innovations. Donc, pour bien instruire et instruire au mieux et au plus vite et dans de bonnes conditions chez nous à la Banque des Territoires, avec les spécificités en rue qui ont été rappelées également par Nicolas Grivel, on a besoin d'un cadre type et on a besoin de délimiter, avoir un cadre homogène de réponse. Le voici, c'est un document Word que vous pourrez télécharger en même temps que le cahier des charges sur l'espace achatpublic.com, le lien Internet. Et plus loin, on va vous demander de démarrer par 2 synthèses, une synthèse générale de 2 pages, une note de stratégie globale de 5 pages, un dossier plafonné au total à 40 pages, avec la description du porteur, de son identité, la fiche d'identité, l'environnement partenarial et la participation citoyenne telle qu'elle pourrait être envisagée, les grandes lignes de ce que pourrait être l'évaluation du projet, les premiers critères et indicateurs que vous envisagez, le fonctionnement d'une gouvernance au moins pour la phase d'incubation, planification générale, premiers éléments financiers, là où on va évidemment vous attendre, c'est sur la qualification des besoins d'ingénierie dans la phase d'incubation. On ne va pas vous demander les budgets complets de la phase de réalisation pour les 8 ans, mais si vous avez déjà des ordres de grandeur, tant mieux, on les prend, ça nous permettra de mieux qualifier aussi et de corréler la nature et les degrés d'innovation que vous proposez avec les budgets qui sont en face et les échelles qui sont visées de quartier, d'îlot. Et puis, si vous le pouvez, ce sera toujours un plus des lettres d'intention de partenaires. Ça n'est pas, on a bien mentionné que ça n'était pas obligatoire, hein, lettre d'intention, on n'a pas écrit lettre d'engagement, mais on est dans un système qui reste compétitif, plus les groupements sont affichés ou déjà relativement engagé par des lettres d'intention, le mieux ce sera au moment de l'instruction. La page suivante vous donne le lien de téléchargement, il faut vous inscrire. Je vous invite vraiment à vous inscrire, d'une part pour télécharger ces documents, mais surtout parce que c'est sur ce lien que vous pourrez accéder à la foire aux questions. Là, toutes les questions qui sont écrites, évidemment, nous allons les copier et les retranscrire dans cette foire aux questions. Ce qui fait que les réponses écrites à vos questions aujourd'hui vont être traitées dans les prochains jours, mises en ligne. Et donc, nous ne répondrons pas à des questions, je dirais, individuelles, dès lors qu'on va considérer qu'elles sont d'intérêt plus général, d'intérêt pour tous les candidats que vous êtes, potentiellement. Et donc, on les reprendra sur ce site et dans la foire aux questions. On vous demandera aussi de limiter les annexes. Si on limite les dossiers à 40 pages maximum, ce n'est pas pour avoir 500 pages d'annexes. Je pense qu'avec les délais de traitement et puis cette rentrée 2021, un travail d'annexe trop conséquent ne serait pas du tout productif et n'aurait pas vraiment de valeur ajoutée pour la qualité de la candidature. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce cadre de réponse.
Alors, rapidement, je reprends la main pour vous donner un peu le détail des critères de sélection. Avant ça, je réponds à une question qui a été posée rapidement, hein. C'était comment s'organise pour les partenaires privés, notamment dans les groupements, est-ce qu'ils pourront bénéficier de subventions ou pas? Oui, en réalité, quand on vous parle d'une enveloppe globale, ensuite, cette enveloppe, elle est redistribuée entre les membres du groupement. Chaque groupement définira où doivent aller les subventions. Pour illustrer d'autres programmes démonstrateurs du type les territoires d'innovation, on a pu financer comme ça les partenaires acteurs de la recherche, industriels, des associations, la collectivité elle-même. Chaque groupement définit où ira contribuer la subvention, en sachant que ce qu'on vous demande de nous présenter, et c'est pour ça que je vous en parle là, c'est une stratégie de transformation avec un ensemble de mesures à déployer pour que cette stratégie puisse être mise en œuvre. Et dans ces mesures, un besoin d'intervention du PIA, peut-être pas dans toutes, dans certaines mesures étant prises en charge par la collectivité directement, d'autres par des partenaires acteurs de la recherche, d'autres par des partenaires industriels, et donc la subvention sera redistribuée. C'est des éléments dont on pourra vous apporter des précisions, hein, y compris dans la FAQ et dans les semaines qui viennent. Alors, pour être éligible, un dossier. Alors, en première vague, donc pour la début septembre, on vous demandera de justifier d'une relation contractuelle existante entre la collectivité et l'opérateur chargé de l'opération d'aménagement, exclusivement pour la vague de septembre. Pour les suivantes, ce ne sera pas le cas, on aura un peu détendu ce critère d'éligibilité. Évidemment, la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation du projet. On puisse avoir une visibilité sur le calendrier, est-ce que l'opération sera réellement faisable dans un horizon 5 à 10 ans. Voilà. Et donc, dans les critères de sélection, la grille précise de notation n'est pas complètement achevée aujourd'hui, mais ça reprend ce que je vous ai présenté déjà depuis le début de notre présentation, hein. C'est la clarté du projet, la clarté de l'ambition de transformation, sa cohérence avec le diagnostic territorial. Voilà l'état de la situation, voilà où on veut aller et de quelle manière on vous propose d'y aller. Donc, le niveau d'ambition, encore une fois, du démonstrateur, est-ce qu'on se questionne bien sur l'ensemble des dimensions de la ville durable? Est-ce que toutes les thématiques sont traitées ou pas traitées, mais pourquoi on ne les traite pas? Donc c'est aussi ça qui doit apparaître. Le niveau de maturité de l'opération, Jean-Marie l'a précisé tout à l'heure. La solidité de la gouvernance, encore une fois, on la jugera à l'aune du niveau de maturité présenté et de l'ambition de construction de cette gouvernance qui sera présentée dans le dossier de candidature. Et puis, pour les projets dans le cadre du NPNRU, évidemment, il faut qu'il y ait une excellente articulation avec le projet NPNRU lui-même. Donc ça, ce sera très précisément regardé par les équipes de l'ANRU. Je ne m'attarde pas plus sur ce volet-là et je passe la parole à Olivier, je crois, pour Quelques éléments sur les clés de financement de la période d'incubation. Déjà, premièrement, dans le cahier des charges, on a donné les grandes règles qui vont vous permettre de dépenser, je vous le souhaite, 500 000 euros maximum pour des crédits qui vont être consacrés à de l'ingénierie, pour permettre à ce que cette période d'incubation conduise à générer les actions, les plans de financement, l'innovation, la gouvernance, etc. Donc, on est clairement sur l'ingénierie, on n'est pas sur la réalisation déjà des actions. Un règlement financier un petit peu plus précis, mais je vous rassure, il fera pas 10 pages, va être écrit dans les semaines qui viennent. Ce qu'on souhaite faire pour réussir à bien conventionner avec les futurs lauréats de cet AMI, c'est vous rappeler donc qu'on liste quelques natures de dépenses éligibles, qu'on va avoir un échéancier de versement assez généreux, avec un versement d'un maximum de 80% au moment de la signature de la convention et puis le versement du solde à la fin de cette période d'incubation pour vous permettre réellement de bien lancer l'ensemble des travaux et des études qui vous seront nécessaires. Dans les prestations intellectuelles, une partie de frais généraux, des dépenses de personnel qu'on plafonne à 25% de l'aide financière général au titre de la période d'incubation. Céline, si tu peux aller sur la page suivante. Merci beaucoup. On va proposer, alors quand je dis on, c'est l'ANRU qui a déjà un accord cadre qui a permis de référencer de nombreux prestataires avec des lots thématiques. Banque des territoires, on va faire la même chose. On va vous proposer de recourir à des marchés subséquents issus d'un accord cadre que nous allons passer. Gain de temps dans la passation des marchés, identification de nombreux
cabinets, de cabinets qui pourront répondre aux grands lots thématiques. Ceux-ci ne sont pas encore construits, on le fait dans les jours qui viennent. Voilà ce qu'on va vous proposer. Deuxième forme d'accompagnement aussi, c'était une question, je crois, tout à l'heure par écrit Vladimir Boric. Le recours à cet accord cadre vient utiliser une partie des crédits, 500 000 euros. C'est pas en plus. Deuxième forme d'accompagnement important qui va être réalisée, ici avec la participation des ministères, je pense au MTE, je pense également à l'ANCT, Céline, tu l'as cité tout à l'heure, et puis nous, Banque des Territoires, et puis l'ANRU, c'est toutes les mises en relation utiles, pertinentes, qui vont vous permettre d'accélérer cette incubation des actions mise en relation avec des entreprises, d'autres collectivités, des opérateurs, des aménageurs. On va essayer de faire les mises en réseau les plus utiles possibles, capitaliser et faire en sorte qu'on ait les meilleurs projets possibles à la fin. Ça reste le but de cette opération. Sur les derniers éléments, cette fois-ci de la phase post-incubation, vous présentez à un comité d'engagement, cette fois-ci, l'ensemble de votre portefeuille d'action, un montant financier jusqu'à 10 millions. Alors, Céline, tu rappelais 305 millions d'euros pour l'action, 10 millions maximum par lauréat. Je pense qu'ici, tout le monde est capable de faire à peu près des règles de 3. Donc, on voit le dimensionnement global de ce que sera ce réseau de démonstrateurs à l'issue des différentes vagues. On gardera la pérennité des modèles économiques, la réplicabilité, tout l'intérêt aussi à créer des filières et à créer, une, dans cette réplicabilité du chiffre d'affaires. C'est important aussi dès lors qu'on a de l'innovation qui va être expérimentée. Sur la réglementation relative aux aides d'État, alors déjà dans la phase AMI, oui, je ne l'ai pas dit, on versera les crédits au chef de file qui aura déposé le dossier, charge à lui après peut-être dans des conventions de reversement si vous faites travailler des laboratoires, des unités de recherche ou des acteurs de l'enseignement supérieur dans des conventions de reversement, vous pourrez redistribuer une partie de l'aide financière qui vous sera donnée, mais après, la puissance publique sera toujours soumise aux règles de passation des marchés publics. Là-dessus, c'est un des aspects importants des conventions de financement qu'on passera. Ce sera également le cas pour après. Dans la phase post-incubation, je ne vais pas aller dans un grand niveau de détail parce qu'on vient de lancer l'appel à manifestation d'intérêt. Le règlement financier de toutes les opérations qui pourront être financées dans les 10 ans qui viennent, ce n'est pas encore écrit. Comprenez aussi qu'il y a un sens logique, on lance un appel à manifestation d'intérêt et puis on va aussi lire les réponses que vous nous donnerez. Chose importante, dans le PIA4, vous le voyez, c'est au cœur de cette page, cette AMI s'inscrit dans le cadre des mesures éligibles à la part européenne du plan de relance, donc attention au cumul ici. Et puis, dernière information que je voulais vous donner, depuis le début, on parle d'une aide sous forme subventionnelle. Si des entreprises, des acteurs privés éprouvent, soulignent un besoin d'investissement au capital, cette fois-ci, la Caisse des dépôts, en tant qu'investisseur sur ses fonds propres, pourra venir tout à fait regarder, accompagner cette croissance, cette levée de fonds. En tout cas, rien ne nous interdira d'avoir un dialogue avec une entreprise dans ce cadre-là pour aller investir et soutenir des projets qui nous sont présentés. Merci Olivier. Je reprends la présentation avec Jean-Marie. Tu n'hésites pas à intervenir, Jean-Marie. Donc on vous a présenté assez en détail hein, cette période de maturation avec ces modalités d'accompagnement qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc ce qu'on vous disait, c'est que vous le verrez dans le cahier des charges hein, après avoir identifié avec les opérateurs que le projet que vous proposez satisfait à l'ensemble des conditions, donc un projet globalement structuré, des innovations à déployer selon un calendrier identifié, toutes ne devant pas être
complètement mature pour l'engagement, mais avec un calendrier très précis identifié pour qu'on identifie quand est-ce qu'elles seront mises en œuvre. On demandera en fait aux porteurs de projets lauréats de venir présenter ce projet de transformation à un comité d'engagement dans lequel siégeront aussi des personnalités qualifiées. Alors, ce qu'on a prévu de faire à ce stade, c'est que ce comité d'engagement puisse se réunir 3 fois par an à peu près et que chacun des porteurs puisse viser une des fenêtres, une de ces 3 fenêtres annuellement, pour qu'on puisse inscrire la présentation de ce projet à l'ordre du jour. Pour les projets dans le cadre du NPNRU, évidemment, il y aura un passage préalable, je tiens à le préciser, devant le comité de pilotage NPNRU pour s'assurer de la cohérence avec le projet dans sa globalité. Et puis, on demandera aux porteurs de venir présenter dans le cadre d'une mission le projet avec une séance d'échange, de questions-réponses. Alors, ça peut aller très vite pour les projets les plus matures. Hein, on vous sélectionne, on vous retient en tant que lauréat et puis 6 mois plus tard, vous êtes prêt, vous pouvez déjà venir présenter le dossier, mais vous avez jusqu'à 36 mois pour le faire. Et donc, le comité d'engagement prendra sa décision à la suite de cette étape, c'est-à-dire qu'il validera l'enveloppe définitive globale, maximum 10 millions d'euros déduction faite de ce qui aura pu être versé en crédit d'ingénierie pendant la phase de maturation. Le comité validera le montant global alloué au projet et au bouquet, je dirais, de projets qui nous sont présentés. Je profite juste de cette étape pour vous dire, revenir sur la slide précédente sur la question des facilités de relance et donc le fait que ce programme soit éligible au plan de relance européen. Vous le verrez, ça apparaît de manière très claire dans le cahier des charges, mais c'est important de le souligner. Les projets, alors ce n'est pas le projet de transformation dans sa globalité, mais c'est les petits projets pour lesquels le bouquet d'action, on qualifiera cela très précisément. En fait, les projets qui devront être financés par le PIA ne pourront pas bénéficier de crédits FEDER en complément. C'est la grosse subtilité à laquelle il faut faire attention. Donc, le projet de transformation dans sa globalité, s'il est éligible au FEDER, il peut obtenir du FEDER, mais ce que le FEDER financera ne pourra pas être complété par du PIA. On y reviendra dans la FAQ si besoin, mais je vous invite à regarder ça en détail dans le cahier des charges, c'est déjà assez largement précisé. Jean-Marie, je ne sais pas si tu avais un complément. Non, rien de plus. Vous l'aurez compris, en fait, la démarche générale du projet, en fait, c'est de sélectionner en fait des choses qui sont en cours de finalisation et de laisser du temps au projet en fait pour maturer et challenger les performances et concevoir l'innovation. Et c'est un peu par ce biais-là qu'on souhaite finalement recruter une grande diversité de territoires. Et une question a été posée dans le chat, est-ce que des candidats pardon, en territoires ruraux ou petites villes de demain peuvent répondre ? Oui, on attend ce type de candidature. Un des principaux griefs qui nous avait été fait en fait sur le programme précédent, c'est qu'il s'adressait essentiellement en fait aux grosses métropoles avec des grosses capacités d'ingénierie et une grande capacité d'innovation. Donc oui, si l'appel à projet est constitué de cette manière, c'est bien pour permettre la candidature de territoires ruraux, petites villes, etc. Et même si les capacités d'ingénierie ne sont pas à ce stade, ne sont pas jugées par vous-même, hein, par les porteurs de projets suffisamment conséquentes, ce n'est pas un problème, il faut le présenter dans le dossier de candidature. Et justement, l'idée, c'est que ce processus d'accompagnement, cette période de maturation, nous permette de déployer des outils qui vous aideront, qui mettront à niveau tout le monde. Donc, je pousse le trait en disant qu'on fera du sur-mesure, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, vraiment, l'idée, c'est… Donc, ne soyez pas gênés, ce n'est pas un frein à ce stade. Il faut tenter, quoi. Ne vous censurez pas. La dernière slide pour Olivier, puis après on pourra avoir un moment de questions encore, une vingtaine de minutes. Ouais. Info pratique, je vais très vite. Le lien qui était avant, je vais le rappeler, je vais le redonner. Inscrivez-vous sur Achat Public, c'est là que vous pourrez télécharger les documents, poser vos questions et surtout avoir les réponses. Recours indispensable pour qu'on assure une bonne égalité de traitement à tous les candidats qui nous posent des questions. On le voit, entre aujourd'hui et les dépôts des offres en septembre ou en novembre, en tout cas pour septembre, c'est là où le timing est le plus serré, oui, on est prêt à organiser des dialogues. Ces dialogues en région avec des candidats potentiels, en associant du mieux que nous pourrons des services de l'État, chez nous aussi à la Banque des Territoires quand on pourra, on va essayer de construire et vous proposer en tout cas une vingtaine de créneaux
Pour des candidats potentiels, d'abord ceux qui aimeraient déposer à la vague de septembre, on va construire ce dispositif et le faire connaître pour venir tester, poser quelques questions. Évidemment, ça ne sera pas du tout un jugement en opportunité du projet ou une pré-instruction ou une pré-évaluation de la qualité de votre candidature, mais essayer d'aller dans le meilleur sens de ce que demande le cahier des charges. Ce sera l'objectif de ces rencontres. Pour que nous puissions nous organiser, s'il vous plaît, utilisez la dernière slide de ce diaporama, savoir mon email, celui de Kim Alain Rue aussi, pour commencer à faire connaître vos intentions possibles de candidater ou pas, et à quelle vague. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien de réponses on peut avoir en septembre, combien on peut avoir en novembre. Le plus vous vous indiquez, vous renseignez votre volonté de candidater, le mieux on peut s'organiser. Et si j'ai proposé par exemple 20 créneaux pour venir dialoguer avec vous en juin, juillet, août, et que le nombre est nettement plus conséquent, il faut qu'on soit capable d'ajuster le tir. Donc voilà, utilisez au maximum ces canaux. On va être le plus réactif possible pour vous aider, pour vous accompagner et essayer de viser au plus juste et au mieux pour donner un maximum de chance à tout le monde. Voilà. Merci Olivier. Donc il nous reste 20-25 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas si... Alors, il y a une main levée, c'est Jean-Christophe Ortolan, mais je ne sais pas si elle est restée de tout à l'heure ou si vous avez de nouveau une question. Sinon, n'hésitez pas à lever la main. Et puis peut-être, je ne sais pas, Nicolas, tu as peut-être des questions. Nicolas Chen, tu as vu passer des questions, quelque chose Bon, allez, vas-y. Oui, pardon, excusez-moi, en fait, j'avais simplement oublié de baisser la main, mais comme vous me proposez, j'avais une question en tant qu'élu... rural, la communauté de communes sur laquelle je vis a un projet alors de comment dire restructuration complète du territoire éducatif. C'est très rural, hein, savoir qu'il s'agit d'une cinquantaine de communes avec, je pense, une population moyenne de 200 habitants par commune, donc vous voyez le caractère. Il y a sur ce territoire-là une vingtaine d'écoles, dont certaines n'ont qu'une classe, parce qu'il s'agit de regroupements intercommunaux. Et il y a un travail de réflexion actuellement pour voir s'il est possible de réduire beaucoup le nombre d'écoles, mais d'avoir uniquement des écoles et des structures qui vont avec, parce que ça va très au-delà, c'est-à-dire que les écoles qui ferment pourraient devenir des bibliothèques, des points relais, des points d'exposition, etc. Donc, ça va très au-delà simplement d'une réduction du nombre d'écoles. Est-ce que là, avec bien sûr le travail, tout le travail qui a été inscrit, ce que vous avez indiqué par rapport à l'ambition climatique, sociale, voilà, est-ce que ça vous paraît possible dans la dimension générale? J'ai bien compris que vous prenez des précautions avant de dire c'est éligible. Alors, pour vous donner peut-être des éléments de réponse, moi je pense qu'on n'est pas dans les clous d'une opération d'aménagement. On comprend bien en fait l'intention sur le territoire, donc l'enjeu carte scolaire, rassemblement des établissements. Mais par exemple, si on s'accroche à notre appel à projet démonstrateur, ce qu'on pourrait envisager comme une opération, c'est par exemple dans un centre-bourg, vous avez besoin de restructurer en fait le quartier école autour de, par exemple, refaire le bâtiment éducatif, aux abords du bâtiment éducatif, proposer du stationnement, une offre de mobilité, et puis derrière, à côté, des offres, je ne sais pas, de services. On peut imaginer de la maison pour tous ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une opération d'aménagement qui se caractériserait par un plan guide et qui rentrerait dans le programme. Par contre, une réflexion plus stratégique de plus grande ampleur sur plusieurs communes, ça ne rentre pas dans le programme. D'accord, mais je vous remercie pour la précision. Ça fait aussi partie des projets, mais cette fois plutôt à l'échelle de certaines communes. Merci bien. Alors pour compléter la réponse de Jean-Marie et sans trahir de secret, il y a aussi dans le PIA4 une stratégie enseignement qui pourrait, mais ce n'est pas encore fait, donc je mets beaucoup de conditionnels, mais qui pourrait avoir un appel à projet qui réponde en partie à votre préoccupation. Mais restez connectés.
y aura forcément, si cet appel à projet voit le jour et qu'il est publié, il y aura forcément un webinaire où on pourra se retrouver. Merci, monsieur. Sinon, non, il y avait des questions sur les taux de cofinancement, mais je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Enfin, vraiment, allez voir déjà l'annexe 2. Alors, je sais que ce n'est pas forcément ce qu'on lit en premier, mais toutes ces questions sont traitées dans l'annexe 2 financière du cahier des charges. Alors, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions, mais encore une fois, comme vous l'a dit Olivier, c'est aussi parce qu'on attend de voir quelles sont vos bonnes idées. On n'a pas l'ambition d'anticiper toutes les idées intéressantes, exotiques, disruptives que vous pourriez avoir. Et donc, en fonction de ces réponses, on pourra être amené à préciser certains plafonds, d'exclure ou d'inclure certains types de dépenses, etc. Mais on ne peut pas, voilà, a priori, donner des listes de toutes les dépenses avec tous les plafonds possibles. Je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'on a été extrêmement précis et que vous n'avez pas d'autres questions? Profitez-en, il nous reste encore un bon quart d'heure. Hein, donc, si vous avez c'est vrai que d'illustrer en plus par des exemples, c'est pas mal. Hein, donc, si vous avez en tête des idées de projet, ça peut être pas mal pour éclairer un peu la façon dont on voit les choses. Alors, je vois une main se lever. Encore une fois, je ne suis pas prête à l'ouvrir. Mais je vois Samuel Gomez à qui j'ouvre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Samuel Gomez. Je suis maire d'une commune de 828 habitants pour lequel on a un projet qui est plutôt assez mûr dans les problématiques de l'hybridation entre la transition numérique, la transition écologique et énergétique sur des sujets hydrogène. Et ma question était de savoir comment récupérer les transparents que vous avez présentés là et éventuellement l'enregistrement, parce que je suis arrivé à mi-parcours étant, voilà, j'ai appris tardivement que le webinaire se passait. Merci. Alors, on a mis en ligne normalement sur la partie chat un lien pour pouvoir télécharger le support. On le remet sans arrêt parce que les retardataires, justement, Céline, ne peuvent pas accéder au chat passé. D'accord. On le remet. On va le remettre encore. On va le remettre dans le chat et puis on va extraire la liste des participants aujourd'hui. On vous adressera le lien pour pouvoir revoir en fait cette présentation qui est enregistrée, cette séquence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a quelques questions et réponses. Alors, attends, j'ai deux autres personnes à qui donner la parole, si ça ne t'embête pas. Delphine Fournil, je crois que vous aviez déjà donné la parole, donc ça doit être… Ah non, si vous avez l'autorisation déjà ouverte. Et puis Christine Grèze ensuite. Oui, bonjour. Delphine Fournil de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes de Pyrénées. L'agglomération est porteur de projet sur deux NPNRU, sur Lourdes et Tarbes. Est-ce qu'elle peut porter… un dossier pour les deux villes en même temps ou elle doit le faire deux dossiers différents? Je pense que ce sera deux dossiers. Nicolas. Disons qu'il y a. La convention de PNRU est signée. C'est ça. Va être signée. On y arrive, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que les projets ne vont pas être liés au NPNRU. Hein, notamment, je pense que c'est pour Lourdes, carrément de la reconstitution. Hors NPNRU, donc ce sera deux projets différents à mon avis, donc deux dossiers différents. De toute façon, on peut regarder. Oui, voilà, c'est la même agglomération, donc si c'est le même porteur de projet, il faudra l'exprimer. Après, si c'est deux sujets différents, y compris s'il y en a un qui est en secteur en rue, l'autre qui est plutôt pas en secteur en rue, parce que je comprends que la reconstitution de l'offre, elle est plutôt de logements sociaux, elle est plutôt en rue, ce qui est hors territoire, un quartier en rue, ce qui est logique. Et puis à Lourdes, c'est tout à fait cohérent avec la transformation du quartier qui est portée. Donc ça ne sera pas forcément le même traitement non plus s'il y en a un qui est en secteur en rue et l'autre. Oui, parce que ce n'est pas indiqué non plus dans la convention, hein, ce dispositif. Mais bon, on regarde ça et on reviendra vers vous. Oui, puis n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça on pourra, par les réunions d'échange, vous apporter les éléments. Merci beaucoup, merci. Merci, donc Christine Grèze, et après je passerai la parole à Vladimir Boric. Bonjour Vladimir. Donc Christine d'abord, et puis Vladimir ensuite. Si vous avez le micro coupé. Oui, voilà. Ça y est, merci. Ma question, c'était pour la seconde vague. Donc, j'ai cru comprendre qu'il ne sera pas forcément indispensable qu'une relation contractuelle existe entre la collectivité et un opérateur pour l'aménagement, un opérateur privé
pour l'aménagement. Et est-ce qu'il y a, est-ce que d'abord, est-ce que c'est bien ça et est-ce qu'il y aura d'autres différences dans les critères d'éligibilité entre la vague 1 et la vague 2? Non, c'est la seule différence qui est justifiée par le fait qu'on souhaitait en vague 1 attirer des projets qui sont un peu plus matures, en fait, dans la temporalité, mais pas que. Mais en fait, voilà, l'idée était sur la vague 1, d'avoir des projets un peu plus matures pour vraiment se mettre le pied à l'étrier. Voilà. D'accord. Et vous disiez également que si un projet n'était pas retenu à la première vague, il pouvait candidater après avoir retravaillé sur une vague suivante. Mais si j'ai bien compris votre planning d'analyse et de choix des lauréats, ça ne laisse pas la possibilité, par exemple, entre la première et la deuxième vague, de représenter un dossier ? À ce stade, on pense que non. Ouais. Effectivement, mais ça va dépendre du nombre de candidats sur la première vague et du délai qu'on va avoir pour les traiter, en fait, les dossiers de candidature. Mais a priori, non. Voilà. Premier abord, ce sera plutôt pour la troisième. D'accord. OK. Merci pour vos réponses. Vladimir. Oui, bonjour à tous. Une question concernant donc la possibilité d'intégrer cette démarche-là au sein d'un programme d'aménagement de grande ampleur. Donc, sur le territoire de la côte ouest, à l'île de la Réunion, on a un programme Écocité, ville insulaire et tropicale, avec un PPA qui a été signé, 14 opérations d'aménagement qui vont démarrer et un dispositif assez spécifique d'appel à projets urbains innovants, donc qui est piloté par un groupement d'intérêt public, qui est notre groupement d'intérêt public, pour accompagner donc la mise à disposition de fonciers maîtrisés, parce qu'il y a 500 hectares maîtrisés aujourd'hui localement sur ce programme d'aménagement. Donc l'idée, c'est d'utiliser un certain nombre de fonciers pour pouvoir développer des projets très innovants avec des solutions technologiques, sociales ou autres, adaptées au monde tropical et insulaire et avec, bien entendu, une volonté de réplication. Ceci dit, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, on ne sera pas forcément dans de la rénovation de quartiers existants. Là, on est sur le développement d'une ville nouvelle, tropicale et insulaire. Donc, ça, c'est une première question. Et on ne sera pas forcément sur un périmètre politique de la ville. Deuxième élément, est-ce que effectivement on peut arriver à intégrer donc une réponse à cet appel à projet dans un process de type Écocité, donc déjà labellisé, existant sur un territoire. Donc, j'imagine que ça pose pas forcément de difficultés dans la mesure où les financements sont pas croisés et on parlera d'opérations qui sont pas aujourd'hui dans le programme Ville de demain, pour être clair. Voilà, ça c'était la deuxième question. Et puis la troisième question, donc par rapport à cela, c'est est-ce qu'un groupement d'intérêt public peut potentiellement porter cette candidature. Merci. Bon, Jean-Marie, vas-y, pardon. Bonjour. Oui, donc on suit pour d'autres raisons le PPA sur le territoire de la côte ouest. Alors, plusieurs aspects dans la question. Un, est-ce que le projet peut porter finalement sur la construction de nouveaux espaces urbains ex nihilo ou est-ce que c'est nécessairement du recyclage urbain? Ça, il n'y a pas de... Comment dire? Les deux sont possibles. Il n'y a pas de prérequis dans le cahier des charges. Ensuite, est-ce qu'on peut être dans Écocité, s'inscrire dans la notion d'Écocité de l'île de la Réunion? Oui, l'Écocité de l'île de la Réunion, finalement, c'est un projet qui a pris ce nom-là, mais qui est beaucoup plus large en fait que la notion d'Écocité telle qu'on l'entendait dans le programme Ville de demain. La règle, vous l'avez rappelé, c'est le non-cumul en fait des soutiens du PIA. Donc, ce qui a déjà été financé au titre du PIA ne peut pas l'être à nouveau par ce nouvel appel à projet démonstrateur. Ensuite, je comprends que vous avez localement lancé en fait une démarche d'appel à manifestation d'intérêt pour la conception de projets urbains innovants. On peut tout à fait envisager, de mon point de vue, qu'un des projets que vous auriez retenu en fait candidate au titre de ce programme démonstrateur pour sa dimension innovante et rentrer dans le dispositif. Donc, c'est à vous de préparer la candidature. Est-ce que le GIP peut se porter des candidats? La réponse est non. La candidature ne peut être portée que par une collectivité adossée à un aménageur ou un établissement public d'aménagement. Donc, par construction, pas un GIP. Okay. Et merci, Jean-Marc. Mais le GIP sera partenaire en fait dans les groupements. Voilà, il faut que c'est oui, simplement le chef de file qui ne peut pas être le GIP. Ok, merci bien.
J'ai encore deux autres questions. Il y a Bruno Gouéclou. Je m'excuse si je... Alors, normalement, je vous ai donné ouvert la parole, je crois. Non, j'y arrive pas. Alors, je suis désolée, je passe la parole à Laurent Rosset. Je n'arrive pas pour l'instant à vous ouvrir, monsieur Gouéclou, je n'arrive pas à vous ouvrir la parole pour l'instant. Oui, bonsoir Céline, merci de me donner la parole. Juste pour donner une illustration et vérifier que c'est éligible, nous sommes une agence d'architecture d'ingénierie porteur d'une solution qui vise à produire de l'énergie sur des friches, des bâtiments en friche, disposant de façades pour le faire et de toitures pour stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé, alimentant des flottes de véhicules pour le dernier kilomètre totalement décarboné. On n'a pas forcément à ce stade de collectivité identifiée, ni d'aménageur, même si on a un projet incubateur à la frontière suisse. Est-ce que typiquement ce genre de projet peut être éligible d'une part, et est-ce que vous pouvez aussi nous mettre en lien avec des collectivités qui pourraient être intéressées par ce genre de solution totalement durable? Alors, deux éléments de réponse à votre question. Un, on ne peut sélectionner en fait que des opérations d'aménagement, donc la solution innovante me paraît très intéressante et pourrait tout à fait rentrer dans des composantes innovantes d'un projet. Mais vous ne pouvez pas déposer une candidature en propre. Elle ne serait pas éligible au sens du cahier des charges. On va essayer dans le dispositif d'incubation de projet, donc qui n'est pas mis en place à ce jour, on va essayer de construire quelque chose qui permette de mettre en relation les lauréats de l'appel à projet avec l'écosystème d'acteurs innovants, donc des entreprises qui proposent des solutions. Très bien. Bon, on aura peut-être trouvé la collectivité qui est intéressée, parce que la solution est sûrement très pertinente. Je vous le souhaite. J'ai Mairie de la Chapelle aussi, à qui j'ai ouvert les droits, mais le micro est coupé, si vous souhaitez intervenir. Oui, bonjour, c'est Marie de la Chapelle à Nantes Métropole. C'est pas grave. une question sur le porteur de projet. On a bien compris que c'était collectivité ou aménageur, mais ça semble exclure une structure de coopération entre collectivités, comme un pôle métropolitain, par exemple, ce qui pourrait avoir l'avantage de porter une candidature qui regrouperait plusieurs typologies de territoires, type métropole et des territoires périurbains ou ruraux qui font partie du pôle métropolitain. Alors, pour répondre à votre question, je reviens sur l'essence d'un projet démonstrateur. C'est une opération d'aménagement qui est caractérisée par une programmation urbaine et un opérateur. C'est porté par un EPCI nécessairement adossé à un opérateur d'aménagement qui est public ou privé ou un établissement public d'aménagement. Donc, par construction, le pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire ne peut pas se porter candidat. En revanche, on peut tout à fait envisager que soit Nantes Métropole, en qualité d'EPCI ou une des communes de Nantes Métropole, se porte candidat à l'appel à projet et que le pôle métropolitain fasse partie de l'écosystème d'acteurs pour la réalisation du projet et de sa stratégie de réplication. D'accord. Je dirais même qu'on s'imagine absolument que vous soyez partenaire, en fait, de par la répartition des compétences et voir au-delà. Hein, on trouverait logique de voir dans un groupement un département qui viendrait participer au groupement pour certains sujets si des sujets qui relèveraient de sa compétence sont traités dans la candidature, par exemple, ou même une région. Donc voilà, c'est l'échelle. On demande simplement un chef de fila identifié qui nous semble être l'entité ad hoc pour porter ce projet au meilleur niveau et pour mettre le lien entre l'ensemble des acteurs. Mais il faut imaginer en fait l'agglomération. Alors je sais pas, ou en tout cas comment dire. La coopération et l'association des acteurs concernés par le sujet dans la gouvernance. Et ça, après, libre à chacun de définir la répartition des rôles au sein de cette gouvernance, qui porte quoi, qui fait quoi exactement. On parle simplement du chef de fila de la candidature. Par contre, je complète le propos en étant peut-être vous donnant une clé de réflexion. Une clé de réflexion, c'est qu'on peut tout à fait imaginer, par exemple, que dans la métropole, on est, je ne sais pas, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui a un projet urbain autour d'une opération qui fait l'objet en fait de l'opération d'aménagement au sens du démonstrateur et qu'ensuite le pôle métropolitain soit la cheville ouvrière de la stratégie de réplication des composantes innovantes de ce projet dans d'autres projets urbains de la métropole à Nantes ou la commune voisine.
D'accord, ok, je comprends. Merci, c'est plus clair. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Je vois pas d'autres mains levées. Ouais, une question écrite. Oui. C'était récente. Ah, elle vient d'être résolue par écrit. Ça va à toute vitesse, pardon. Mince, pardon. Ben ça, elle a disparu de mon écran. Oui, non, mais c'est moi qui ai répondu, en fait. Ah. La question, c'était, est-ce que le comité d'engagement effectue une nouvelle sélection ? C'est ça, oui. Je la trouvais intéressante, cette question. Donc, la réponse que j'ai apportée de manière écrite, c'est que le comité d'engagement, en fait, il va regarder l'ensemble du projet, donc le projet, l'opération d'aménagement et la stratégie de réplication. Et dans le cas du comité d'engagement, en fait, on examinera en fait les actions qui feront l'objet du soutien financier du PIA. Donc, en quelque sorte, il y aura une forme de sélection d'actions. Sélection d'actions, mais pas sélection des lauréats. On ne remet pas en concurrence à l'issue de cette période l'ensemble des lauréats retenus en phase A et B. On n'est pas dans un scénario qui peut ressembler à d'autres programmes qui ont été portés précédemment. Il se peut que des lauréats sélectionnés à l'occasion des vagues de sélection que l'on vous a présenté aujourd'hui décide d'abandonner parce que le projet n'avance pas, mais l'idée n'est pas de d'évincer et d'avoir un nombre limité de candidats à l'issue de la période de maturation. Ce qu'on va sélectionner, Jean-Marie a raison, c'est les actions qui vont nous être présentées par les lauréats. Alors, Vladimir, vous avez encore la main levée, mais je pense que c'est juste un reste de tout à l'heure. Oui, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions ? On a un timing presque parfait. Une question quand même que je vois apparaître de Bruno Bouyclou. Est-ce qu'il y a 30 lauréats ? Est-ce qu'il y a 30 lauréats et est-ce qu'il y a des quotas par typologie de territoire ? Non, alors il n'y a pas de quotas. On va voir comment se passe chacune des vagues. Il n'y a pas de quotas. Ce qu'on veut, c'est avoir un éventail assez représentatif. Sur d'autres programmes, on a tenté cette aventure de ne pas se fixer de quotas et d'avoir quand même un éventail représentatif, et on y est arrivé. Donc, je vous le confirme, on a réussi cet exercice. Et là, je pense que par le process d'accompagnement qu'on met en place, on devrait y parvenir assez facilement aussi. Donc, pas de quotas, et ce n'est pas forcément 30 lauréats, parce que sur cette enveloppe de 305 millions, vous avez des frais annexes pour animer la communauté des lauréats, accompagner les porteurs, déployer des crédits complémentaires. Et donc, il faut compter une grosse vingtaine, mais pas trente. En tout cas, pas à ce stade. Mais je ne peux pas vous donner de nombres précis. Donc, sachez en tout cas que chacun des lauréats pourra avoir jusqu'à 10 millions d'euros. Et puis, on verra à terme ce que ça donnera. Mais l'idée est que bénéficier de 10 millions d'euros sur un programme de ce type-là, avec des cofinancements pour chacune des actions qui nous sont demandées, ça veut dire aussi être en mesure de pouvoir mettre en face l'équivalent, je dirais, de la subvention PIA versée, que ce soit par la collectivité qui porte ou par les partenaires qui s'embarqueront dans le projet. Donc, il y a des territoires où, je le dis de manière très, très directe, mais il faut se le dire, il y a des territoires qui peuvent très facilement mobiliser 10 millions d'euros, territoires et partenaires inclus, peuvent facilement mobiliser 10 millions d'euros pour ces cofinancements, et puis d'autres, ce ne sera pas forcément ces enveloppes-là. Donc, vous dire aujourd'hui combien il y aura de lauréats à terme, c'est vraiment prématuré, mais on a de quoi faire et on a de quoi avoir une belle communauté. Ah, il y a une question. Juste au bon endroit. Dominique Renaudet, alors je vais vous ouvrir. Ah mince, je vous ai coupé la parole. Dominique, vous pourriez relever la main, je suis désolée. J'ai une mauvaise manip de ma part. Alors, hop. C'est bon. Oui, merci Céline. Ouais, justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a alors vous l'avez peut-être déjà dit d'ailleurs, mais une taille minimale, une maille minimale de projet, est-ce que c'est forcément 10 millions d'euros ou... Non. Ouais, enfin, et où se situe, on va dire, le niveau minimal? Parce que sur d'autres appels à projets, il y avait cette idée d'avoir quand même des projets de bonne taille, on va dire. Enfin,
Il y a pas. Alors, ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, à ce stade, au stade de l'ANI, en fonction des niveaux de maturité, on aura quand même du mal à se projeter sur l'enveloppe globale à terme. Donc, ça va être difficile de vous dire. Il n'y a pas de seuil minimal à ce stade. Il y a un seuil maxi. Enfin, voilà, un plafond. On a 10 millions. Okay. Comme on parle quand même de projets assez ambitieux, hein, qui mêlent un ensemble de mesures ou d'actions assez diversifiées et innovantes, ça peut aller vite, quoi. Mais c'est vrai qu'on va. Enfin, je ne veux pas donner de seuil parce qu'on a décidé de ne pas en mettre. Hein, le fait de devoir traduire une certaine ambition fera qu'on sera quand même sur un niveau qui ne va pas forcément s'élever à 10 millions d'euros, mais qui peut vite monter à 4-5 millions. Pour faire l'équivalent sur les projets de territoire d'innovation, c'est des projets extrêmement ambitieux, les TIGA, et certains porteurs de projets ont bénéficié à terme d'une enveloppe de 4 millions, 5 millions d'euros de subvention, et ça a suffi pour donner l'élan sur le projet. Donc, je n'ai pas de taille minimale à vous donner là. Ok. Super. Il y a encore une question. Bénédicte Agnorte. Normalement, vous avez la parole. Bonjour, Bénédicte Agnorte de Postimo. J'ai bien compris que le porteur était une collectivité, hein, mais je voulais juste bien vérifier, ce n'est pas cumulable non plus avec fonds friches. Si, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est sur une opération d'aménagement qui a déjà fait l'objet d'un financement au titre du fonds friche, donc le fonds friche, il intervient surtout pour subventionner le déficit de l'opération d'aménagement en tant que telle, dans la mesure où notre programme démonstrateur, en fait, il s'attache à donner une plus-value environnementale et sociale au projet. On peut tout à fait envisager que ces composantes innovantes fassent l'objet d'un soutien financier au titre du PIA4 et de ce programme-là. J'en profite pour vous rappeler qu'en fait, dans le démonstrateur, il y a bien deux piliers. Il y a l'opération d'aménagement en tant que telle, mais aussi sa stratégie de réplication. Stratégie de réplication qui peut comprendre des mesures de soutien à des technologies innovantes, par exemple des actions aussi sur la formation professionnelle, si on voulait par exemple mettre en œuvre localement des matériaux particuliers, ou des actions sur les filières économiques. Pardon. Donc c'est assez large. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Je dirais que la réponse de Jean-Marie vaut aussi pour les autres programmes, c'est-à-dire que Petite Ville de Demain, Cœur de Ville ou autre qui bénéficient de crédits. Alors évidemment, dans le respect du cumul des aides d'État, hein, toujours, mais ça, c'est un travail qui se fera en discussion avec les opérateurs, mais l'un n'empêche pas l'autre. On ne cherche pas à accompagner les mêmes choses, en tout cas pas exactement. Ce qu'on cherche à faire dans ce programme, c'est trouver les clés pour accélérer aussi la transition des villes vers plus de durable. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on s'empêche d'aller aider à l'accélération de projets déjà en cours de construction. Alors, il y a une autre question. Je suis désolée, mais je vais écorcher votre nom, Bakoni Rina. Je vous ai normalement ouvert la parole. Oui, merci. Je suis de l'école d'architecture de Grenoble. Et je voulais savoir, je vois bien que c'est des projets d'aménagement urbain, mais nous, si on voudrait candidater avec la ville, il y aurait un important volet sur l'architecture et l'intégration des matériaux géosourcés. Est-ce que il y a une part, est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il faut vraiment être vraiment plus sur l'urbain alors que nous, on est sur l'architecture, la filière de production des matériaux écolos? Merci pour cette question. Non, absolument pas. Au contraire, on n'a pas parlé effectivement de l'architecture et de. Mais tout, en fait, tout ce qui peut contribuer à la ville durable peut être proposé. Et on sait que ça bouge beaucoup dans les territoires sur ce sujet-là. Et on n'a même pas forcément, nous, connaissance de tout l'éventail de ce qui est à l'œuvre. Mais on trouverait ça évidemment. Enfin, ce serait le bienvenu que des équipes de maîtrise d'œuvre fassent partie des groupements et soit en mesure de proposer, y compris des procédés innovants en matière de d'architecture. Enfin, on peut aller loin hein, sur ce volet-là, des process de formation ad hoc s'il le faut. Enfin, non, au contraire. Et on n'est pas rentré dans le détail sur la présentation de la stratégie globale, mais la question du recours et de la massification du recours aux matériaux biosourcés et géosourcés est vraiment
une des pierres angulaires de la stratégie. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que dans ce projet-là, on ne se pose pas la question. Regardez bien les domaines d'action de la ville durable, donc la norme ISO 3701 vous liste les domaines d'action sur lesquels il faut intervenir. Et évidemment, les matériaux sobres en carbone, une approche, je ne sais pas, moi-même, la modularité des bâtiments, leur évolutivité, enfin voilà, toute cette question-là peut être proposée, les nouvelles formes d'habitat, tout ça peut être proposé dans le projet. Hein. Innovons en fait là-dessus. On dit juste que ça doit être associé à une opération d'aménagement, mais tout autour, vous pouvez vraiment aller très très loin dans la démarche et proposer des choses très disruptives. Hein. Enfin, Jean-Marie, tu me corriges si je dis des bêtises, mais. Peut-être pour compléter, je vous rappelle qu'en fait, les défis auxquels doivent répondre nos démonstrateurs, c'est ceux de la sobriété, la résilience, l'inclusion et la production, entendu au sens production de richesse et aussi de valeur patrimoniale. Et je pense que ce que vous proposez, en fait, s'intègre complètement dans la philosophie de notre appel à projet. Merci. Et je crois que... on va traiter une dernière question. Samuel Gomez. Je crois que vous avez levé la main. Oui, j'ai levé la main. C'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, sur l'investissement, par exemple, sur le projet qu'on souhaite impliquer, et si jamais on a un projet, par exemple, à 1 million d'euros, on pourrait avoir un soutien du PIA4 à hauteur de 500 000. Et du coup, on pourrait solliciter la région à hauteur de 15 000, le département, enfin 250. On vous entend plus. Ça 50 000, le département à hauteur de 150 000 pensions des publics serait au niveau de la commune de 20 %, à savoir 200 000 euros. Est-ce que ce montage est possible? Alors là, j'ai un joker. Je m'adresse à Olivier pour le détail de la dentelle fine des financements. Est-ce que, dans la phase incubation, on n'a pas introduit de critères où dans le cofinancement des 50 %, il nous faut une part publique, une part privée. On vous demandera simplement d'être certain d'avoir atteint les 50% de cofinancement, ce qui va vous permettre de lancer en toute sécurité les études pour cette phase incubation. Donc, ce que vous venez de présenter comme une théorie de plan de financement me semble tout à fait aboutir aux résultats recherchés. Ok, je vous remercie. Je vais vous proposer qu'on s'arrête là, non, Olivier, sur... Oui, on a 90 questions, je vois, résolues, c'est extraordinaire, en 1h30. On va les rebalayer. Merci aux collègues. Seul à l'oral. Et donc, de toute façon, la FAQ est ouverte pour les questions. On vous invite vraiment à télécharger le cahier des charges si ce n'est pas encore fait, à vous manifester si vous avez l'intention de déposer, en précisant si c'est plutôt première ou deuxième vague, parce que ça nous aidera, nous, à l'organisation en fait, hein, du process d'instruction des dossiers aussi. Donc, voilà, toute manifestation de volonté et de calendrier, la bienvenue. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Vous êtes encore assez nombreux à suivre l'échange. Merci. Et puis, je laisse les derniers mots pour les collègues. Si vous avez d'autres compléments, autre chose, n'hésitez pas à contacter. Hein, vous avez les contacts Olivier Leneau, Kim Cusano, Alain Rue pour les projets. Et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Okay. À très vite, à très bientôt en tout cas. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.